quelqu'un qui travaille beaucoup ses rôles. Vous l'aviez raconté ici pour un rôle de prostituée. C'était dans la Smala Sans Mail, j'y arrive. Vous étiez exercé à marcher dans la rue avec des talons et une jupe courte. Et cette fois-ci, vous êtes également très impliqué parce que vous avez fait un stage. Parce que vous incarnez une animatrice radio et vous avez fait un stage à Culture Média pendant une semaine. Avec le recul, comment s'est passé ce stage et qui avez-vous appris ? Alors, où est-ce que j'ai fait ce stage déjà ? J'ai quémandé un stage à Philippe Vandel. Oui, c'est vrai. Non. C'était très amusant et puis c'était essentiel pour moi. Il fallait que je rentre dans la peau de cette animatrice. Qu'est-ce que c'est qu'être une animatrice radio ? Quelle est la responsabilité, la charge, l'adrénaline, la passion ? Et j'ai appris déjà qu'il y avait beaucoup d'adrénaline. Il y avait un super pouvoir, j'avais l'impression. C'est-à-dire qu'on avait l'info avant tout le monde. On savait ce qu'on allait dire. L'invité ne sait pas ce qu'on va dire. On divulgue l'info aux spectateurs. On rentre directement dans leur foyer, ils sont en train de boire un café, d'être sous la douche et on leur parle. Ouais. Je trouve ça assez fascinant. Et à l'image, vous avez des feuilles partout. Oui, alors j'ai fait comme Philippe Vandel, exactement. J'ai pris exemple sur vous. C'est-à-dire, j'ai pris toutes mes petites fiches, je ne regardais pas et je regardais mon réalisateur, je lui parlais comme ça. Et hop, un peu speed. Et j'ai. Ouais, merci Philippe pour ce conseil incroyable.